Bonjour et bienvenue, on est de retour pour Grand Dead. Regardez-moi ces trucs quoi. Une chose que je voudrais faire, c'est recouvrir le jardin de jardinière en fait. Et mettre des champignons comme ça partout. Ça serait une bonne idée, non? Je pense que ça serait une super idée, honnêtement. Donc, on est de retour ici. Donc, dans notre petite base. J'ai décidé que je vais refaire aussi le... je sais pas si j'ai changé des choses depuis, parce que j'ai un peu joué. Ah si, j'ai créé ça. J'ai créé ça. Donc, dans une minute, ça sera prêt. Tiens, il y a un verre qui est bloqué dedans. Tiens, c'est marrant, ça. Il a dû apparaître dedans, en fait. Ok, très bien. J'ai mis ça. Donc, c'est une grande tige, parce que j'avais oublié que j'avais des graines, en fait. Donc, on va voir si les pucerons, en fait, sont attirés par ça. Mais en théorie, de ce que j'ai compris, les pucerons sont jamais attirés par quoi que ce soit. Ils sont seulement attirés par les bols avec de la verdure dessus. Donc, je pense que les jardinières, en fait, ne fonctionnent pas. Les parcelles de jardin pour les pucerons ne fonctionnent pas. Donc on verra ça. On va faire ça. Mais en tout cas, ça marche pour les charançons, parce que vous voyez qu'ils viennent tous sur mes champignons. Il y a une chose aussi, c'est qu'il faut savoir, c'est que tant que les champignons sont pas finis, les charançons ne viennent pas. Donc il faut absolument que les champignons finissent, en fait. Faut que la chose qui est dans le jardinier, en fait, finisse de grandir. Pour fonctionner. Donc ouais. Donc c'est bien, en fait, dans un sens, ça nous fait de la nourriture. Ça nous fait de la nourriture à maison. Ce qui est bien aussi, c'est que si on a un ennemi, le jeu va privilégier... Oh non. Oh non. Le machin, il est dedans. Le jeu va privilégier l'ennemi, de taper l'ennemi en fait. Et pas les objets aux alentours. Donc ça c'est bien, on a peu de chances de casser les choses en fait. En tout cas, je vais récupérer les champignons vite fait. Mais je vais peut-être refaire mon système, parce que je pensais vraiment pas que ça allait attirer autant de bestioles, en fait. Donc on va devoir peut-être les déplacer. Ne bouffez pas mes trucs, s'il vous plaît, merci. Donc ça, c'est un peu le problème que j'ai en ce moment. C'est que ça... Ouais, ça... Les charançons, ils sont un peu partout dans la base. Puis après, des fois, il y a les fourmis. Enfin, les fourmis, en ce moment, elles me laissent tranquille. Donc ça va. Mais ouais. Les charançons qui se bloquent, c'est bien. Encore heureux qu'on ait eu une mise à jour, lol. Par rapport à ça, c'est bien. On va faire ça. Et après, on va partir. Donc on va aller retourner voir la... On va aller... Ah mais j'en ai pris qu'un. On va aller retourner voir la veuve noire. Et la combattre. Maintenant j'ai pris l'habitude de mettre juste 10%. Parce que sinon... c'est un peu la merde honnêtement. Ça en consomme beaucoup trop en fait, je trouve. Et j'ai pas vraiment le temps. Déjà, je me suis fait chier à aller farmer des trucs. Ok, nickel. Farmer pas mal de choses, donc j'ai pas vraiment envie. Ah oui, il y a ça aussi, la dernière fois, j'avais pas analysé ça, donc on va y aller. Honnêtement, qu'est-ce que je fais? Je crois qu'on va rien avoir. J'ai pris des soins aussi normaux, parce que les choux, en fait, j'oublie toujours d'aller les récupérer. Donc du coup, voilà. Donc on va faire cuire ça. Et on va partir. Donc on va se faire la veuve noire, la mythe. Ça devrait pas prendre trop de temps. Mais honnêtement, en fait, je voulais la faire avant. Je voulais vraiment la faire avant, genre en dehors de la vidéo et tout ça. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est que j'y suis allé et elle y était pas. Elle y était pas du coup. Et la mythe, pareil. Donc c'est un peu embêtant, du coup, ça m'embête. Donc ouais, on va aller d'abord analyser ce qu'on a, puis après on va le ranger.
Donc ouais, je voulais vraiment la faire parce qu'au final, on va pouvoir faire la DAC 3 normalement après la prochaine, après le prochain kill, je crois. Parce qu'on va avoir assez de poison là, de venin. Donc en théorie, on peut faire ça. Et ça va. Et ça va nous débloquer le fait de pouvoir faire la dague niveau 3, etc., etc. Bien. Bien ce que je pensais. Parce qu'on a déjà tout l'équipement, en fait. Mais ouais, là, on commence à être dans... J'ai envie de dire la partie un peu chiante du jeu. Où... Des ingrédients qui sont extrêmement rares. En fait, vous avez peu de chances de les récupérer. Genre, par exemple, là, il y a, de connaissance, il n'y a qu'une seule veuve noire et qu'une seule mythe. Donc, c'est un peu la merde, je trouve. Hey there, buddy. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah oui, tiens, je dois en tuer en plus. Je suis en combat. Je crois que là, elle était en train de grignoter ça. Je crois qu'elle était en train de grignoter ça. Donc c'est pour ça que le sol, le centre, là, il faut que je le change. Faut absolument que je le change. Oh putain, on a des fourmis bloquées. Non! Mais non! Mon dieu, je déteste ce jeu, quoi. Ah là là! Je prenne le truc pour réparer. Vous voyez les problèmes que j'ai en ce moment? Et honnêtement, ça gâche un peu le plaisir du jeu. Genre, je vais être honnête, ça me gâche un peu mon plaisir en ce moment. D'avoir des fourmis comme ça qui... J'en sais rien en fait si elles spawnent ou pas. On va mettre ça là. Je sais pas si elles spawnent en fait à l'intérieur, mais j'ai l'impression parce qu'elles y étaient pas tout à l'heure, donc je crois qu'elles c'est ce qui se passe. Et honnêtement, je comprends pas pourquoi. Donc si jamais vous avez une explication, honnêtement, je suis tout ouïe. Mais j'avoue que c'est légèrement agaçant. Ah, j'ai pas de carreau. J'avoue que c'est légèrement agaçant. Car... ouais, non, ça fout la merde à chaque fois. Ça fout bien la merde. Allez, on y va. On va courir. On fait un peu du jogging. Et j'ai pas encore travaillé sur la base qui serait, enfin sur le, je sais pas, une sorte d'habitat pour le chêne et pour faire des tyroliennes qui vont un peu partout. J'ai pas encore travaillé sur ça. Peut-être le faire après, plus tard. J'ai plutôt passé mon temps genre à récupérer des glands, des trucs comme ça. Genre des trucs un peu rares et chiants en fait à récupérer. Ben c'est pas rare, c'est embêtant. C'est juste embêtant en fait de récupérer ce genre de choses. S'il y en a, il y en a que à des endroits précis en fait, c'est ça le problème. C'est parti! Mais ouais, sinon ouais, c'est la base là, le centre, la maison là, il faut que je la change. Je sais pas trop quoi faire encore. Je sais pas trop quoi faire encore pour la base. J'ai peur que quand les moustiques m'aggro, genre ils viennent après sur ça. Mais normalement non. Ouais, non, c'est bon. Mais ouais, j'ai pris aussi beaucoup d'argile. Au cas où, si jamais on doit faire des ponts.
Mais ouais, faut que je bouge mes jardinières, je pense. Comme ça m'évite d'avoir des charançons qui se baladent. En plein milieu de la base. Il faut que je... Ah, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre encore? Genre, je refasse la maison du centre. Même si au final, elle est ok, mais je voudrais faire un truc un peu plus stylé, un peu plus grand peut-être. Il y a toujours aussi les zones pour sécher la viande, enfin sécher quoi que ce soit. Il faut que je fasse une place pour ça. Yes. Quoique. Bon, il y a les petites, mais elle est où la grosse? Elle est où la Nice and safe. grosse? Alors... on va jouer sans le Venom truc, on va voir un peu. Ah oui, j'ai aussi enlevé le bouclier humain pour une fois. Du coup, on a ça. On est comme ça. Bon, je crois qu'on va aller voir à l'intérieur. Hein. On avait dit que les petites, c'était la hache. C'est bizarre qu'il y ait les petites et pas la grosse. Surtout que la grosse, on la tue en premier. Elle doit dormir. Tu te fous de ma gueule? Elle est vraiment pas là? Ou elle se balade autour? Hein. Première fois que je vois ça. Si on l'a toujours... toujours bloqué là en fait. Après peut-être qu'elle fait vraiment comme les loups aussi, hein, par rapport à ses mouvements. Non, je vois rien. Peut-être l'autre côté. Ce serait intéressant d'avoir la veuve noire contre le bœuf. Après, on peut peut-être taper les sacs. Après, je comprends pas pourquoi les petites, elles sont parties. Oh non, ça c'est une tique. En or, yay. Bon après si elle est pas là, casse. Hein. On n'a qu'à aller voir la mythe. Voilà, on repart dans l'exploration de l'autre zone. La dernière fois, ça s'était pas super bien passé, honnêtement. Bah, c'était un peu chiant. Et après, on est mort bêtement parce que je voulais voir en fait si ça tuait le coup d'aller sur la batterie. Et évidemment, c'est ça. Une coccinelle qui s'énerve. Ouais, non, c'est chelou. Par contre, il faudrait vraiment un système pour voir en fait
Y a la mythe ou pas, parce que j'avoue que tout le temps monter et se faire aggro par 30 moustiques, c'est quand même bien bien relou. Faudrait qu'on puisse la voir en fait. Ce serait vraiment bien. Croyez qu'on peut la voir d'ici? Peut-être que les petits en fait ont un temps plus rapide pour réapparaître. Que les gros. Ouais, non, la mythe, elle y est pas non plus. Je crois pas. Sinon, je pense qu'on verrait des ailes. De là. Ah, je vais aller faire un tour quand même. Puis après, I'm all geared up. on se jette à l'eau. Au pire. Rub time. On se jette à l'eau, au pire. Bien. Devrait être bon. Après, j'ai pas beaucoup passé de temps en jeu en fait. Non, on l'entendrait là, on est d'accord, hein. On l'entendrait, je pense. Non, non, ils sont pas revenus encore. Les monstres comme ça là, ils doivent être encore, ça doit être plus long. Donc on peut partir. On va s'équiper. J'ai vu qu'il y avait un renfoncement. Ah tiens, on peut peut-être aller là-dedans. J'ai vu qu'il y avait un renfoncement à un endroit où il y avait un squelette. Oh, on y est. Voyez, on n'est pas. On n'est pas. Oh, putain, je suis au-dessus de moi, ta mère. On n'est pas venu pour rien encore. Ah, j'aime pas le fait que l'eau nous stoppe pas vraiment, quoi. Ok, là-bas, là. Le bois. Je suis pas très fan de l'eau, en fait. Quand on se jette comme ça. Parce que c'est très... On devrait être vachement plus ralenti. Et pas plonger tout au fond, en fait. On se fait super mal à chaque fois. On est déjà mort, en plus, une fois. L'endurance. Ouais, les trucs qui nagent plus vite que moi quand je sprint. Même quand je sprint, je crois. Bon, bah très bien, on n'est pas venu pour rien. Ça doit être 3 jours en jeu, je pense, pour que la veuve noire et. Enfin, les gros trucs réapparaissent. Je pense que là où la wolf, ça doit être pareil. Alors, ah oui, nous on veut aller là-bas, merde. Ah, lâchez-moi la grappe. Yes! Oh merde, y'a de l'eau. On est bon. Ah! J'ai mal au prix de moustique. Aussi, je vais prendre l'habitude de. Quand il commence à faire nuit, honnêtement, ce qu'on va faire, c'est faire un. Non, mais on va sortir la dague juste au cas où. C'est faire un camp, en fait, pour dormir et passer la nuit, si on peut. Parce que c'est vrai que jouer la nuit, bon, c'est. C'est sympa, hein. On a fait des trucs vraiment cool, mais des fois, c'est pas top en fait. Donc autant passer la nuit, comme ça on verra mieux, on n'a pas besoin d'avoir la lampe et tout sur nous. Encore heureux qu'on a notre casque, hein, de lampe, mais bon. Voilà quoi.
Non, ça c'est pas une masse. Très bien. Ah, on regarde s'il y a des pierres à l'intérieur de la voiture. Je crois qu'il y en avait plein normalement. Après, je sais pas si c'est une fois pour la voiture ou ça réapparaît au bout d'un moment. S'il y en avait beaucoup en plus. Ah, c'est peut-être qu'une fois. Il y a des choses qui sont uniques, il y a des choses qui réapparaissent. Genre les cubes de pas les tic-tac, mais les bonbons de froid là. Dans la boîte. Oh merde. C'est mon endurance quoi. Oh là. Voilà, fuis. J'ai pas envie de te combattre. On peut peut-être... Il est quelle heure? 19h. On peut peut-être commencer à trouver des choses pour passer la nuit et faire un petit camp. Parce que c'est vrai que je le fais jamais. C'est des trucs comme ça que je fais jamais au final. Putain, elle est là-bas, la bulle. La bulle d'eau. Ah, très bien. Alors du coup, attends, c'est quoi? Parce que je me rappelle plus du tout. Branchette et feuilles de trèfle. Ah, le trèfle, ça risque d'être de la merde, par contre, à trouver. Trèfle ici. Trèfle ici, je crois qu'on peut dire au revoir au camp, en fait. On va pas en trouver, hein. J'en ai pas vu. Super, elle était dans la pierre. C'est bon, tu t'en vas. Bah merde du coup. Ah trèfle, yes. Après, je dis ça, mais... À un moment, on pouvait pas vraiment le faire. Aussi. C'est parce qu'on avait toujours besoin d'eau. Et là, j'avoue que, vu qu'on a la... Tiens, il y a un trou, là. Je sais pas si on y est déjà allé ou pas. On va se mettre là. Vu que maintenant, on a la gourde aussi... vu qu'on a la gourde, ça nous permet de récupérer de l'eau en fait facilement. C'est ça qui est bien. Parce qu'on a beaucoup de charge d'eau du coup, vu que la gourde elle transforme l'eau croupie en eau potable. Donc ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment bien. Ah, ok. Encore deux manger, ça. Ok, cool. Est-ce que je devrais manger les trucs? Damn! Give me a plate of this! Ah, pour une fois, j'ai pas envie de. J'ai vraiment pas envie de. Juste jouer dans la nuit, quoi. Ah oui, on avait dit qu'on allait voir un peu le trou. Ah oui. C'est pas grave, on a encore des repas.
Alors là, il y a un trou. Ah oui, on était déjà passé. Non, non, c'est juste pour aller de l'autre côté. On avait déjà vu. Alors, on avait vu que, genre, vers là, c'est possible qu'il y ait la fourmilière. Parce qu'on avait croisé, il y avait plein de fourmis. Ah oui, et les soldats. C'est vrai que les soldats, on les a pas... On n'est pas allé voir. It's no lemon crime, but it's better than nothing. On n'est pas allé voir. Ça tue. Comment? Attends. Hop. Tada. If only chemistry class was this easy. On va faire ça. Quoi qu'il m'a bon, une fourmi. Ok, j'ai dû faire une petite pause. Mais on est reparti. Donc une fourmi nous avait aggro, apparemment. Un peu. On s'en fout de la fourmi. Je l'ai pas touché, ok. Casse-toi. Vas-y, va chez toi. Amène-moi chez toi. Je vais être honnête, je suis pas super fan du buff de barbare en fait. C'est vrai que ça trouble l'écran en fait. Ça trouble pas mal l'écran. Ah! C'était là, je crois. Est-ce qu'on peut pas passer? Genre en hauteur? Ça m'étonnerait qu'on puisse. Ah! C'est vrai qu'il y a le crash de l'acide, j'ai oublié. Attends, je voudrais revoir mes mutations. Mutation. Ou alors on enlève ça et on met Fourminator à la place. Ouais. J'ai mis le défense du froid là, ça baisse les dégâts de. Ça baisse les dégâts de quoi déjà? Écrasement et empalement. Donc empalement, genre les moustiques, je pense. Et écrasement. Je dirais toutes les charges de. Des buffs et tout ça. C'est tellement de champignons ici. C'est... Je dirais ça. Alors après, est-ce que nous, ça nous aide contre les fourmis? J'en sais strictement rien. Honnêtement, je dirais que non. Fourmilière de la jungle. Yes, let's go. Sauce de l'orientation 3, ça tue. Ça tue, du coup on a 3 sur 3. Ouais, célérité 3 sur 3, ça c'est vachement cool. Ça c'est vachement cool. Donc elle est là. Ah, putain, elle est pas du tout en fait où je pensais. D'accord. Pour milliards de la jungle. D'accord, le trou il est juste là. Ah, ça fait chaud quand même d'y aller. Parce qu'en fait, là, on va faire du combat non-stop, on est d'accord? On va faire du combat non-stop. Et on y va. Après, on pourrait faire l'équipement, mais il nous faudrait des fourmis... des soldats. Parce qu'on n'a plus de soldats. On en avait deux, je crois, de pinces. Et on a fait la masse. Ah! On a fait la masse? Je crois. Faudrait la sortir, tiens. La tester un peu. Mais bon, enfin, comme j'ai dit, une masse en solo, c'est pas vraiment le kiff. Du coup... Alors, attendez. Ce que je voulais voir, c'est... désolé, hein, je prends un peu de temps, mais parce que là, on va faire que combattre. Alors, fourmi de feu ouvrière, donc c'est contre le frais. Je pense pas que le marteau soit vraiment une bonne arme de choix. Bon, on peut tester honnêtement.
peut tester. Gaz, brûlure, grillade. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre qui serait intéressant? Il n'y a pas grand chose en fait, hein, à part ça. Alors, on va le garder. Je sais pas si ça aide contre les fourmis, honnêtement, je dirais que non. Quoique... Oh. Je vais être honnête, c'est très potable. Pas trop ce qui se passe. On va essayer de d'en tuer le moins possible. On va faire Terminator, ok? Dans le 2. Wow, comment c'est sombre. Nice and safe. Non, mais non, ça... Merde. Attends. Non, ça marche très bien le marteau. Je suis content. Il n'y a pas une mutation pour le marteau. Parce que là, je suis fan. Très bien. Ah non, je suis fan. Je suis très très fan. Par contre, j'ai l'impression que le marteau, point de vue résistance, il prend nettement plus cher que tout le reste en fait. Peut-être. J'en sais rien. Enfin, il était. Je sais pas si je l'avais. Il était full ou pas, je crois pas. Puis ça stun au bout de 3 coups. Puis nous on l'a augmenté. Donc du coup il fait quand même très mal. Au final, pour un outil. Ah, je suis content. Très content. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme...
comme arme anti-fourmi. Attends, vu qu'on a pris ça. Soldat fourmi de feu. Frais, coupe taillade épicée. Ok, ouais, frais. Coupe et taillade, on peut pas. Ah, regardez les dégâts. Comment ça? Oh la vache. Oh. Merde. Oh la vache, doucement. On va tuer. Oh la vache, c'est quoi ça? C'est juste que c'est long en fait. Morceau de pomme. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme arme? Je vais tester ma masse. Ma masse fait moins de dégâts. Mais dans un sens, elle va bloquer. Elle va étourdir plus vite parce qu'en fait, on tape plus vite. Tout simplement. Donc on fait un enchaînement de 3 coups plus rapidement. Mais ouais. Faudrait faire une masse exprès pour les fourmis en fait. Ça y va les pierres. Il y a une dent. Chewing gum. C'est leur garde-manger du coup. Intéressant. Ça va, c'est pas surpeuplé de fourmis honnêtement, donc c'est tranquille. Notre casque il est bien augmenté, enfin il est au max même, donc il résiste bien. Notre masse aussi. Si jamais notre masse casse, on prend la massue. Ah! Bombe. Coucou. Nickel. Je suis assez content, hein, encore une fois, de la hache feu et la masse glace. Je trouve que ça fait du très très bon boulot en fait. Ok, donc là c'est la deuxième ouverture. Donc là on est à la souche, c'est ça? Non, non, presque. Oh, il y a du truc. I'm all geared up. Ok, non, là on est... Je sais pas où on est gros, mais il y a de la pierre. Putain. C'est énorme. Après, j'ai envie de me... Je me pose la question. Est-ce que ça, vitesse de récolte de gravier? Non, non, ça va pas. Genre, on a rien du tout pour augmenter les dégâts de la main. Est-ce que barbare, ça fonctionne? L'arbalète fait des bons dégâts aussi. Ouais, ça va.
ça va, ça va. Très bien. On va voir si Barbare est activé par la masse. Parce que... pas la masse, le marteau plutôt. En théorie, je verrai... je vois pas pourquoi pas. En fait. Non mais c'est énorme cet endroit, ça tue. J'ai tellement besoin de pierre en plus. Enfin... pour me dire ça. Évidemment, enfin, qu'on a besoin de pierre. On a tellement d'armes à vouloir augmenter. Et un truc que j'aime beaucoup aussi dans le jeu, moi j'aime beaucoup quand les jeux vous donnent différents équipements et les équipements en fait ne deviennent pas obsolètes. Alors oui, évidemment, il y en a certains, genre pour les armes, je parle par exemple. Pour les armes, oui, il y en a qui, genre une lance en gravion, elle va pas vraiment être bonne de nos jours. Et encore une fois, dans un sens, possiblement, si on l'augmente bien. Je suis sûr qu'on peut faire du ravage avec, genre à la balancer, parce que les lances, ça fait très mal quand on les jette. Mais pour en tout cas, pour l'équipement, chaque équipement, en fait, chaque pièce d'équipement fait une chose spéciale, genre chaque set fait un truc spécial, un atout spécial, qui est unique pour le set de l'armure. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Parce que du coup... on peut complètement utiliser genre les tout premiers équipements qu'on a trouvés. Bon, par contre, les mandibules, ça drop pas des masses. Hein. Ah, vous voyez, c'est ça. Les pierres, ouais. Maintenant, avec la mise à jour, les pierres, elles sont à 99. Donc, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Ah, parce que c'était trop la merde, en fait, de... Hope there are some shamans with a bucket of blood around Yogi Swole. Yogi Swole. Donc ça c'est vachement cool. Ah, il y a un... couleur. Science, you are off the hook. Bon, mais du coup on descend. Swole. Ah, c'est pas mal. Peut-être un peu mettre ça pour les couleurs dans la nuit. Des dents de dragon, pas de dragon, de requin. Attendez, on va boire un coup. Tastes good. Ok, c'est reparti. You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. C'est reparti. Je dirais que non. Pour Barbare. T'es sérieux là? Barbare marche pas. Il va se faire, on va devoir se faire violence parce que... Vas-y, va-t'en. Voilà, merci. Oh putain de toi quoi.
Putain. Oh la vache quoi. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On n'a pas un régène? Qu'est-ce que je kifferais pour un régène automatique? Genre en mutation, je parle. Mais après, on a des... on a les... les badges. Il y a encore des pierres. On a un mineur. Laissez-nous. Troisième dégât, il fait tellement mal, le troisième coup de marteau. Non, reviens ici, j'ai l'éclair, j'ai l'éclair. Putain, Thor est en moi. Saloperie. À chaque fois, je time trop rapidement. Okay, très bien. Encore une fois, j'essaye de pas trop les tuer parce que comme ça, elles nous attaquent pas. Et honnêtement, elles vont... pas nous servir à grand chose. On a déjà des morceaux. Donc si je peux éviter que ma base soit attaquée par des fourmis de feu. Parce que les fourmis de feu quand même, c'est pas de la merde. Chemin là. Ok. Attends, faut que je trouve un endroit pour passer en haut. Ah. Oula, ça part un peu loin. I'm all geared up. Yes. He never told me science could be this exciting. Non, 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 non. On est bon. Non. La merde. Là, on était bien en plus. Après, ce qui est bien, c'est que quand elles partent, j'ai pas l'impression qu'elles reviennent, les fourmis. C'est un peu... enfin, peut-être, j'en sais rien. Je sais pas où elles vont exactement. Est-ce que c'est après c'est les mêmes qu'on combat? Ok. Yes! Oh putain! J'avais même pas vu. Je l'avais même pas vu. Bon, on peut partir.
having a little peep. Tort. Oh non. Nickel. J'ai sprinté pour essayer de la choper. J'ai pas réussi. Elle m'a quand même esquivé. Je sais pas comment, mais elle m'a quand même esquivé. That was refreshing. Pourquoi ? Oh putain, mais quel débile quoi. Putain, t'as de la chance. Okay, marteau abîmé. C'est le morceau de pomme qu'on avait vu. Pourquoi il est aussi gros le morceau de... C'est reparti. Voilà, elle veut mourir apparemment. Ah non, c'est bon. Ah, la régène, mais pas complètement en fait. Que de la pomme. Bon, après, il y a du. Ouais, des trucs de peu et tout ça. J'avoue que ça m'aiderait de les avoir. Une seconde, il me faudrait menace détectée. Ah, mais ça doit être les autres qui sont en train de partir en fait. En cas, on n'a pas vraiment besoin de bouffe. On peut virer ça, virer ça. Virer ça. On va commencer à partir. Plus, je vais être honnête, je crois qu'on a fait le tour.
C'est pas mal en fait des endroits comme ça hein, pour. Pour genre la pomme ou. Ok, très bien. Si on a besoin de pommes. Ça c'est l'ouverture. Ouais, ça c'est quand on avait détruit les racines. Oh. Bon bah nickel. Nickel. Bon, lâche-moi la grappe. Résultat des courses. On a ça, ça c'est bien. Permet de faire des fragments là. On a beaucoup de ça. Ça, je suis très content des pierres là. C'est vraiment 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 cool. Je pense qu'on peut rentrer honnêtement. Et quelle heure? 20h50. On avait fait un endroit pour dormir, je sais plus où il est. Casse-toi. Je pense que là, on a fait du bon boulot. Je veux pas me jeter des fleurs, mais j'essaye de voir si on peut trouver notre campement. Mais je sais plus vraiment. Tout se ressemble en plus. It's no women crime, but it's better than nothing. Ouais, je veux pas me jeter des fleurs, mais là on a super bien bossé. Très 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 heureux. Du coup on va rentrer. Du coup. On rentre. Nice and safe. Du coup, on rentre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer notre excursion encore une fois. Là, on a découvert que, bah, du coup, notre masse pouvait servir autre part que les coccinelles. Que, déjà, ça marche très bien sur les coccinelles, hein, honnêtement. Mais là, tiens, pas en coccinelle. Très bien. Que je vais faire. Quoique. Non, ça va. Je pensais que c'était plus con, mais non. Ah! Lâchez-moi la grappe. Très 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 heureux. Très très fier de moi. Avec le coup du marteau, là. Parce que j'avais peur que le marteau soit vraiment utile que pour les, ouais, les gros trucs. Enfin, quoi que, au final, hein, il est quand même utile. Hein. Genre les cloportes, les coccinelles et tout ça, c'est pas de la merde non plus. Hein. Même le bœuf. Le bœuf, c'est pas de la merde non plus. Hein. Donc, c'est bien que ça soit utile. Mais là, on a découvert une autre chose. Je pensais pas que ça allait être aussi efficace, en fait, sur les fourmis de feu. Donc très heureux. Sûrement se faire aggro.
les saloperies. Ou pas. Ouais, on est bon, on est bon. Hop là. Et en plus, on a bien joué, on n'a pas tué tout le monde. Donc, je pense que ça fonctionne bien, ça aussi. Parce que les fourmis n'avaient pas l'air d'être vénères, en fait. Donc, ouais. Ok. C'est parti. On va faire toutes les pierres. On va faire l'équipement aussi. Putain, ça tue. Oh là là, ça tue tout ce qu'on a quand même. Ah ouais, non, là, je suis méga content. Je suis méga content. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un run aussi parfait en fait. Nickel. Alors là. Du robuste. Ah c'était parfait de chez parfait. Qu'est-ce que j'ai dans l'inventaire? Encore ça. Des pierres suprêmes. Ok, j'ai plus de... Ah, nickel, tout va dans le coffre en plus. Par contre, j'ai plus de scarabée. Ça, c'est chiant, ça. Faut aller farmer du scarabée, ça c'est un peu relou. Fais voir le marteau. Parce que le marteau, oui, je crois qu'il est 6, la hache elle est 7. Donc, est-ce qu'on peut pas augmenter le marteau en 7? Il faut 10 cubes mantelés. J'en ai 7, donc 3 cubes. Cubes mantelés. 1, 2, 3. Nickel. Il est quelle heure? 23h, on va dormir. Voilà, nickel, nickel. Ah, je suis content. Vraiment très bien. Ah tiens, on va voir s'il y a des machins là. Mais ça m'étonnerait. Ouais, je pense pas, parce que ça c'est fini maintenant. Mais ouais, non, ça les attire pas du tout. Ça les attire pas du tout. Non, non. C'est bien confirmé. Pour les pucerons, il faut mettre des soupes. Tu peux éviter d'aller dans... Ah, cet endroit, quoi. Je commence à le détester de plus en plus, en fait, cet endroit. Honnêtement. Aïe, 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 aïe. Vivement qu'on bouge d'ici. Hein. Vivement qu'on bouge. Alors... Ah oui, ça. Alors, marteau. Et maintenant, c'est des bijoux. Très bien. Notre masse aussi, elle a besoin de bijoux puissants. La pelle aussi, je vais lui mettre un élément, je pense. Pas encore quoi. Ah, on peut augmenter l'armure au niveau 9. Ça. Il faut des cubes puissants encore. Je vais faire des cubes puissants. Je vais augmenter l'arbalète. Et après, ce sera des bijoux puissants qu'elle voudra. Ouais, il faudrait faire des bijoux puissants. Ah, mais les bijoux puissants, c'est... Ouais, oh, avec carapace scintillante, fais chier. Ah, ça va être la merde, ça. Ça va bien être relou, je pense.
That was refreshing. Ouais. You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. Qu'est-ce qu'on fait? On augmente l'armure au maximum. Bravo. C'est bête qu'on puisse pas faire comme dans les Fallout, genre... vous savez, plus ou moins, genre... prendre l'équipement en maintenant genre la touche action et genre les maintenir dans la main et pouvoir les replacer. Ça serait bien. Ah oui, j'ai détruit les champignons qui étaient juste là, du coup il y a beaucoup beaucoup moins de charançons aussi qui passent. Qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être augmenter l'armure. Et on va refaire encore un tour au même endroit, je pense. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Il y a les asticots, je sais pas à quoi ils sont faibles. On va voir les asticots. Neutre. Inoffensif. C'est où les asticots? Y a pas asticots? Les asticots, je les ai jamais check. Let's see what's got a new one. Jamais fait. Voilà. Ok, nickel. Astico. Bon, il a pas de faiblesse ou de résistance. Que s'il avait une faiblesse, genre un élément, j'aurais mis la pelle à un élément. Comme ça, quand on les creuse, on les tue en une fois. Je sais pas si c'est possible, mais ça serait pratique en fait. Ce serait très très pratique. Putain, plus puissant. Je peux pas en faire d'autres. Ah mais oui, j'aurais dû compter, mais je suis con moi. Je peux même pas compter. Cube puissant. Ok, qu'est-ce qu'on voudrait monter d'autre? Maintenant après c'est les bijoux ça. Et après, on veut peut-être mettre l'armure au niveau 10. 6, 9, pardon. Même c'est 4. On a juste à peine pour toute l'armure entière. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça, on va la laisser de côté. J'aurais peut-être pas dû la monter au niveau 7. Ouais. Ah tiens. Voilà. Ah, on peut pas lui mettre d'éléments à la pelle. Ok, j'ai demandé. J'ai rien dit. On va aller voir la veuve noire. On finit de monter ça et on va voir la veuve noire. On a du soin, on fait ça. On va faire un tour aussi pour la moisissure. Que dalle, c'est bien.
On prend un peu de nourriture pour la veuve noire. On devrait être bon. Allez, on va y aller. On va y aller. Nickel. Les autres, on va les faire sécher. Les verres, j'en sais rien en fait si j'en ai besoin. Les verres secs, mais vu que je mets que les charançons en raccourci, du coup, je peux pas vraiment me aller dans mon inventaire pour faire ce que je veux. Nickel. Nickel, nickel. Ah oui, on voulait créer l'équipement. On voulait créer l'équipement, j'ai complètement oublié. Bah tiens. Voilà. Alors. Équipement fourmi rouge. Je pense qu'on peut. Non, on peut pas. Il nous faut la corde de peluche. Oh, c'est de la merde. Cet élément, quoi. C'est de la merde, ce ressource. Et je crois qu'on a la masse. Je l'avais pas faite. Non, je l'avais pas faite, la masse. La grosse masse. Bon, allez, on se casse. On se casse, il faut des flèches. Et on y va. Damn, give me a plate of this. Je pense qu'on est bien équipé là, ça va. Ouais, la masse à deux mains là. Ça peut être intéressant, mais bon, comme j'ai dit, masse à deux mains, solo, c'est la merde. Enfin, arme à deux mains en général, contre les trucs qui sont à un certain niveau, j'ai vraiment pas envie, quoi. On va se prendre des grosses baffes. Vu que je suis pas super bon à parer. Pour 40 secondes, on est devant la veuve noire, ça va. Je vais peut-être tenter. On va voir déjà si elle est là. Hein. Si elle est là, on va tenter de mettre. Pas mettre la mutation anti-poison. Voir si ça fonctionne. Voir si on en a vraiment pas besoin du tout. Genre si je mets ça pour rien en fait. Je suis curieux. Ça serait bien qu'on puisse faire des choses automatisées dans le jeu. Un peu comme Minecraft. Je pense que ça pourrait être intéressant.
Je vais aller regarder pour des mods aussi, mais... Putain, elle venait d'où, quoi, bordel de merde. I'm all geared up. Ah putain, c'est une abeille de merde, ça m'a fait peur. Ouais, j'ai pas l'impression que ça fasse quoi que ce soit. Elle est où la dernière? Elle est là. Vas-y, ramène-toi, salopée. Je suis sûr qu'elles étaient encore... dans la pierre, quoi. Ça, c'est quand même bien, bien relou. Ok. Ça nous fait 15 cordes. Wall. Toujours pas là. Hein. C'est chaud. Enfin, c'est chaud, ça m'emmerde surtout. J'ai mis assassin pour les moustiques. Par contre, j'en ai besoin. Elle aurait pas glitché quelque part, quand même. Hein? Question conne. Elle aurait pas glitché quelque part. J'ai tellement peur qu'elle vienne derrière moi et qu'elle me défonce la gueule. Qu'est-ce qu'on a d'autre à manger? Pas trop fan de ce qu'on est en train de faire là. Ok, on va se balader. Ah oui, non, on avait dit qu'on voulait faire la mythe peut-être. You can be smart, fast, lucky. Or just wear some armor. Peut-être la mythe. Ah, on a des dents. Est-ce que ressources, hein? On avait dit ressources. Des ressources. Et après, ce sera l'endurance. J'ai mes quêtes, moi. Ouais. Il
évidemment, faut que le machin il soit bloqué. Reprendre le même passage. On va peut-être dormir. Il faudrait que j'aille récupérer des peluches aussi. C'est un peu emmerdant. Oh, elle est là. Let's go. Donc elle est là, mais pas la veuve noire. C'est super bizarre. C'est super bizarre. J'espère que vraiment qu'elle a pas glitché. Ah, c'est ça que je voulais voir. Tastes good. Est-ce qu'on a déjà vu un truc glitché? Enfin, si, oui, plein de fois, mais... Genre un truc... On est bloqué. Ah, il y a des amorces aussi à prendre. D'accord, tu m'as touché quand même. Ah, en parlant de moustiques, pause. J'en ai un vers moi. Je reviens. Et on est reparti. Je ne l'ai pas tué. Je pense que lui on va devoir se le faire. Bien relou ces trucs. Faut que je regarde si j'ai le blocage là qui peut faire des éclairs. Normalement je l'ai pas enlevé mais... la machine. Ah, casse-toi le moustique. Enfin, pas celui-là, mais en vrai. Putain. Nickel. Là, celui-là qui m'agace. Bah, celui-là aussi vient de se débloquer. Merde. Je sais pas si on peut combattre
sans se faire aggro par eux, en fait. Enfin, honnêtement, s'ils bougent pas... Enfin, déjà, il faudrait réussir à pull la mythe, en fait. J'aime pas cet endroit, il faut tout le temps sauter et tout, quoi, c'est vrai. Squish that mosquito! Oh, on va le tuer. Il est où? Mais bon, pas grave. Ce n'est point grave. Oh la vache! Just like a fruit pounder. Ça, j'ai vraiment l'impression qu'on peut rien faire, quoi. Je commence à être mieux en fait. Faut juste courir en fait. Bon. Ok. Let's go. Ah voilà, du full drop. Tu nous as coûté une plume. Non, une flèche plume. Let's go. Là c'est bien, là c'est du full drop. Ouais, des trucs rares. Hein. Bah, peut-être pas les moustiques, mais... Ça va quoi. Ça... On a le donut. C'est très bizarre pour la veuve noire. Très 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 étrange. J'ai envie d'y retourner. Alors attends, fais voir l'équipement. J'ai vraiment envie de tester ça moi. Écaille de mythe, on en a deux. Ça va, donc la 3. Je crois qu'on en a 3 ça aussi à la maison. Oh la bla. Il faut 5. Ah ouais, mais de toute façon, il faut de la mousse. Ah ouais, non, mais c'est... Je crois que c'est un des pires équipements qu'on doit faire pour le moment. On n'a pas eu pire, hein. Ah oui, j'avais dit que je voulais aller voir si s'il y avait la veuve noire. Enfin, combattre la veuve noire de nuit, je vois. Ciao down.
pas trop mon kiff. Ah non, la combat de nuit, c'est pas... honnêtement, c'est pas trop mon kiff. Je préfère encore. Ah, vous savez quoi, on va rentrer, ça va être la fin de notre épisode, parce que voilà. Après, ce qu'on peut faire, c'est un tour vers l'entrée de la maison pour aller récupérer des peluches et tout ça. On peut faire un épisode comme ça. Un peu un petit épisode farm au lieu de découvrir des nouvelles choses. Bon, après, c'est un peu chiant, quoi. Mais... nice and safe. Bah, c'est chiant. Ah, ça fait des aventures à chaque fois. On a plein de trucs à chaque fois à faire. Donc, dans un sens, pourquoi pas. Après, je suis plus ou moins bien équipé. J'ai encore du soin. Peut-être que la veuve noire, elle passe. On va voir si elle est là ou pas. Ouais, on va aller voir. On va aller voir parce que je suis quasiment certain qu'il m'en manque juste une seule. Et si elle drop du poison, le venin, je pense que ça doit être du 100% pour le venin. Quoique, des fois, j'ai combattu une loup. Je suis quasiment certain que j'ai pas eu de poison. Elle est là ou pas? Non. Quasiment certain qu'elle m'a pas donné de poison, donc j'étais un peu surpris. Enfin bref. Il nous faut un venin et je crois que je peux faire la dague. Donc ça serait vraiment vraiment cool. Je pense qu'on ferait une dague de froid pareil. Je dirais. Genre, juste pour remplacer en fait la note quoi du coup. Genre remplacer celle-là. On ferait la même dague, on ferait exactement pareil. Parce que ça marche bien. Je pense. Gonna have a look around. Elle est pas là, hein. Non. Non, non, non. Je crois que je vais faire une petite pause. Après, une fois qu'on sera rentré. Je vais faire une petite pause. Je vais laisser passer une journée. Et je vais y retourner moi seul. Alors, vous savez quoi? On va dormir. Si jamais elle est là, je vais y retourner. Si jamais elle est là, on la combat. Sinon, ce sera la fin de l'épisode. On va faire ça. Je me demande s'ils peuvent casser la tyrolienne. J'aime pas le fait qu'il soit genre à côté comme ça. J'ai vu un mode qui permet de prendre des tyroliennes à l'envers, genre monter. Ce serait vraiment pratique. Hein. Ah, faut mettre des lumières à ma tour. J'ai mis zéro lumière. Putain, quel con. C'est vrai que j'ai pas pensé du tout. Je sais pas où le mettre.
Prennent la tête ces fourmis là. Prennent grave la tête. Ah, vous savez quoi, on va mettre fin à l'épisode. On va mettre fin à l'épisode, on va dormir. Moi je regarderai tout seul. Si elle est là, je la tue. On fait la dague et on va récupérer la mousse là. Ouais, on va faire ça. Je trouve une solution là pour les fourmis qui arrêtent pas de se stuck ici. Je comprends pas du tout. Ça doit être un spawn de fourmis en fait, cet endroit là. Pourtant, j'ai mis. Je suis quasiment certain que j'ai mis donc une fondation là et dessous. Donc en fait, il y en a dans le sol et après ça monte quoi. Donc, j'ai vraiment pas mis de place en fait. J'ai pas laissé de la place pour que ça spawn. Je sais pas. C'est mal fait ce jeu honnêtement pour ça. C'est très mal fait. Les choses peuvent spawner à l'intérieur. Ça a vraiment pas de sens. Ça a vraiment zéro sens. En tout cas, à la prochaine. Ciao, ciao.